Alors que tel qu'annoncé précédemment, on va maintenant procéder au débat de fin de séance. C'est un débat qui se fera entre M. le député de Bordua et Mme la ministre de la Justice qui concerne une fuite potentielle d'informations à l'intérieur du système de justice québécois. Tout le monde sait comment ça marche. Là. Vous savez que vous avez 5 minutes, la ministre a 5 minutes, puis on conclut par une réplique de 2 minutes. Alors, M. le député, vous cédez la parole pour 5 minutes maximum. À vous. Merci, M. le Président. L'objet du débat de fin de séance, vous l'avez mentionné, c'est la question des fuites potentielles à l'intérieur du système de justice. Tout à l'heure, on a parlé lors de la période des questions, entre autres, au niveau du programme de traitement de non-judiciarisation ou de déjudiciarisation. Donc, il y a une question d'intérêt public, M. le Président, et de confiance du public à l'intérieur de notre système de justice, parce que vous savez que lorsqu'il y a des règles en place qui font en sorte qu'un dossier doit être confidentiel et qu'il y a des fuites, bien, c'est important de savoir d'où proviennent ces fuites pour assurer que quelqu'un qui se prévalerait de ce programme mise en place, qui puisse bénéficier de la confidentialité. C'est le premier élément. Le deuxième élément, M. le Président, c'est important que les dossiers qui sont communiqués à l'ensemble des intervenants du système de justice demeurent confidentiels jusqu'à ce qu'ils soient déposés en preuve devant le tribunal. Vous savez qu'il y a certains documents qui peuvent être rendus publics, mais certains d'autres documents, comme dans ce cas-ci, ne devraient pas être rendus publics. Donc, il y a une question, M. le Président, à se poser. Et la ministre, tout à l'heure, nous a informé qu'il y avait plusieurs intervenants qui avaient accès à ces informations-là, à ces documents, notamment le plaignant qui peut y avoir accès également. Donc, j'aimerais peut-être savoir également, dans un troisième temps, est-ce que la ministre nous indiquait que c'est le plaignant qui a rendu l'ensemble de ces informations publiques-là? Également, M. le Président, au point 4, la ministre nous a indiqué tout à l'heure, à une réponse à une de mes questions, que le directeur des poursuites criminelles et pénales, dans le cadre de l'interpellation qu'il a eue par rapport aux données, hein, le directeur des poursuites criminelles et pénales a émis 2 communiqués pour expliquer que les fuites ne provenaient pas de son organisation et il aurait donné... il aurait fait une vérification à l'interne et aurait donné communication au ministère de la Justice pour dire « on a fait les vérifications ». Bien, j'aimerais savoir si la ministre peut nous rendre publique les explications qu'elle a eues de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales sur l'intégrité et la conservation de ces informations-là. Dans le fond, c'est dans un souci de transparence, M. le Président, pour que les Québécois aient confiance dans toutes les étapes du système de justice, parce que vous savez que parfois, c'est un système où on est un peu éloigné, le commun des mortels est un peu éloigné, puis parfois, les règles, les procédures entourant l'administration de la preuve ou le dépôt d'accusation, où on n'est pas nécessairement familier avec ça. Donc, c'est bien important pour que les gens comprennent ce à quoi il en retourne et à quoi ils doivent s'attendre par rapport à cet élément, M. le Président. Et vous savez que le barreau, l'Assemblée générale extraordinaire des membres du barreau qui avait été tenue dans la foulée de l'affaire de la bâtonnière et du conseil d'administration le 24 août dernier, M. le Président, a tenu à Laval une Assemblée générale extraordinaire où plus de 1000 membres se sont réunis, M. le Président, et ils avaient adopté 3 résolutions, M. le Président. Et je les ai ici, ces résolutions. Les 2 premières touchaient notamment la réintégration de la bâtonnière, mais c'est chose réglée. La 2e résolution demandait au syndic d'enquêter sur... la fuite et sur l'utilisation d'informations confidentielles concernant le dossier déjudiciarisé de l'ancienne bâtonnière. Et troisièmement, M. le Président, l'Assemblée générale extraordinaire avait libellé ainsi la proposition numéro 3 dans le but de maintenir la confiance du public envers le système de justice à la fuite inhérente au dossier de Maître Kouang. Il est résolu que les membres du barreau demandent officiellement à la ministre de la Justice d'enquêter sur l'intégrité du caractère confidentiel des informations contenues au registre de la déjudiciarisation du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et par le biais du communiqué du barreau, M. le Président, le conseil d'administration du barreau a transmis à la ministre de la Justice du Québec la proposition numéro 3, en réitérant ses préoccupations déjà communiquées à quelques reprises à la ministre. Donc, M. le Président, ce que je vous soumets et ce que je soumets à la ministre, c'est que à la fois le public souhaite savoir de quelle façon on peut s'assurer de l'intégrité du système, à la fois du programme du programme de traitement de non-judiciarisation, mais à la fois aussi avec l'ensemble des intervenants du système de justice. Et deuxièmement également,
les membres de l'ordre professionnel et même son conseil d'administration, parce que vous savez que dans le cadre de ce dossier-là, il y avait un litige entre la bâtonnière et le conseil d'administration, mais relativement à ce point-là, les parties semblent être d'accord. Dans le fond, même les membres de l'ordre professionnel qui appuyaient la réintégration de la bâtonnière ont demandé au conseil d'administration de faire le suivi et le conseil d'administration a accepté, M. le Président, de faire le suivi. Donc, je demande à la ministre de répondre à ces questions. Merci, M. le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Bordua. Je cède la parole pour les cinq prochaines minutes si elle décide de l'utiliser. À Mme la ministre, à vous la parole. Merci, M. le Président. Alors, tout d'abord, M. le Président, je pense qu'il est important de mentionner qu'il n'y aura pas, il n'est pas de mon intention d'instituer une enquête dans ce dossier. Et je vous explique pourquoi. Et pour le bénéfice de notre collègue, je pense qu'il est important d'abord de relire la résolution du barreau et cette résolution qui est passée le 24 août dernier. Donc, dans le but de maintenir la confiance du public avec le système de justice, suite à la fuite inhérente au dossier de Maître Lou Kwan Chung, il est résolu que les membres du barreau demandent officiellement à la ministre de la Justice d'enquêter sur l'intégrité du caractère confidentiel des informations contenues au registre de la déjudiciarisation du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, ce qui est important, c'est d'enquêter. Ce qui est demandé par le barreau, c'est d'enquêter sur le caractère confidentiel du registre et des informations qui sont contenues dans le registre. Le 25 août 2015, donc au lendemain de la résolution du barreau, la directrice des poursuites criminelles et pénales, et là, il est important de mentionner que la directrice, l'institution qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, jouit d'une pleine autonomie et d'une pleine indépendance. La directrice des poursuites criminelles et pénales a répondu quant aux informations que contiennent le registre, et elle le fait publiquement, et c'était dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la population. Donc, là, je vais me permettre de citer le communiqué de la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui se lit comme suit. Le DPCP tient d'abord à préciser que ce registre ne contient pas de détails de la nature de ceux révélés par la presse sur les circonstances d'un événement qui serait survenu le 17 avril 2014 au Simons de Laval. Ce registre ne contient en effet que la date de l'événement, l'article du code criminel correspondant à l'infraction alléguée, le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne impliquée. Je cite toujours le DPCP. Dans le cas d'un vol, par exemple, le registre ne contient ni l'endroit où celui-ci serait survenu, ni les objets visés, ni la valeur de ceux-ci. Alors, M. le Président, je pense que c'est important puisque le registre fait mention de certains nombres très limités d'informations. Maintenant, quant aux personnes qui pourraient être invoquées et au courant des faits qui ont été évoqués dans les médias, le DPCP poursuit, toujours dans le communiqué du 25 août, et ça se lit comme suit, on ouvre les guillemets. Le DPCP souligne que les circonstances d'un événement ayant donné lieu à une décision de traitement non judiciaire ne sont pas seulement connues du DPCP et du corps de police qui a procédé à l'enquête, mais elles sont également connues du plaignant et des témoins, le cas échéant. De plus, conformément à la loi, le contrevenant, le corps de police qui a procédé à l'enquête, ainsi que le plaignant sont informés de la décision de traitement non judiciaire. Et ce communiqué, M. le Président, communiqué, puis en fait, je pense que pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui manifestent un intérêt, je vais le déposer. Ce communiqué répond à la demande et à la résolution du barreau en ce sens qu'il indique clairement quelle est la nature de l'information qu'on retrouve dans le registre. Parce que dans toute cette affaire-là, il y avait une préoccupation, à savoir, est-ce que l'information qui s'est retrouvée dans les médias, qui s'est retrouvée sur la place publique, était de l'information que possédait le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et le DPCP a procédé à une évaluation, a fait des vérifications parce qu'effectivement, c'était préoccupant. Il faut se rappeler, depuis 20 ans,
il y a eu 100 000 dossiers qui ont fait l'objet d'une déjudiciarisation. C'est un programme qui avait été mis en place il y a 20 ans par l'honorable Paul Bégin, l'ancien ministre de la Justice, notre ex-collègue. Et c'est la première fois qu'une information, c'est la première fois qu'une information de cette nature-là fait l'objet d'une fuite. Donc, il y a plus que le directeur des poursuites criminelles et pénales qui sont au fait. Je tiens, pour le bénéfice du collègue, on ne sait pas qui a coulé l'information, mais chose certaine, les vérifications sérieuses et rigoureuses ont été faites. Une seconde, parce qu'il faut que je vous demande le consentement. Y a-t-il consentement pour dépôt du communiqué qu'elle a mentionné? Alors, il y a consentement. Si vous voulez le déposer, on vient de le faire. Et je vous cède la parole pour votre conclusion pour les deux prochaines minutes. Merci, à vous, M. le député de Bordure. Écoutez, Monsieur le Président, j'entends la ministre nous dire qu'on ne sait pas qui est à l'origine de la fuite. Ça peut être quelqu'un qui... ça pourrait être le plaignant, ça pourrait être quelqu'un qui a été en contact également. Mais c'est justement la pertinence de l'enquête, Monsieur le Président. Une enquête indépendante qui pourrait nous indiquer est-ce que c'est à l'intérieur du DPCP, est-ce que c'est à l'intérieur d'un des intervenants du système de justice qu'il y a eu fuite, Monsieur le Président. Et c'est pertinent pour assurer la confiance du public dans nos institutions, parce que lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, et considérant le contexte particulier des individus et des partis qui étaient présents au litige, vous conviendrez, Monsieur le Président, que c'est d'une importance capitale d'assurer une indépendance. Et j'entends la ministre nous dire que depuis 20 ans, il y a eu 100 000 cas, mais c'est un cas très particulier. Il faut se questionner, Monsieur le Président. Et si on fait référence au communiqué du directeur des poursuites criminelles et pénales, Monsieur le Président, mais le 17 août 2015, le directeur des poursuites criminelles et pénales émettait également un communiqué. Il nous disait « Le directeur des poursuites criminelles et pénales a procédé à la nouvelle vérification interne suite à la publication par la presse et Le Soleil le samedi 15 août 2015 d'une déclaration assermentée relative à un dossier ayant fait l'objet d'un traitement non judiciaire. » Et le DPCP poursuit « Suite à ces vérifications, le DPCP réitère qu'il n'a aucune raison de croire que les informations publiées en rapport avec ce dossier auraient été communiquées par un membre de son personnel. Il en a informé la ministre de la Justice. » Donc, concrètement, Monsieur le Président, la seule réponse qu'on a du directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est de dire « Bien, j'ai fait les vérifications, puis c'est pas nous. » Il s'agit d'un organisme indépendant, tout à fait, Monsieur le Président, mais moi, ce que je vous soumets, c'est que la population a besoin de savoir en toute transparence, d'où provient la fuite. Et c'est préoccupant si jamais ces gens-là sont bénéficiés du programme. Est-ce que l'information va demeurer confidentielle? D'autant plus, Monsieur le Président, que ce n'est pas uniquement le barreau et l'Assemblée générale extraordinaire qui le demandent, mais c'est également la population. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie tous les deux. Ça met fin à ce débat de cette séance.